Salut à tous mes petits trolls, c'est Agent GB, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, la patate comme d'habitude. Moi en tout cas ça va super, j'espère surtout que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour le troll du mercredi. Et vous avez peut-être vu dans le top 10 sur les secrets de la commande slash summon de lundi qu'on pouvait faire des trucs assez fun. Eh bien j'ai fait quelques petits tests scientifiques, voilà, sur ma petite map solo que j'ai fait juste avant. Et comme vous pouvez voir j'ai quelques petites créatures un peu spéciales. J'ai notamment découvert qu'on pouvait faire chevaucher une vache à un Under Dragon, mais aussi qu'on pouvait faire péter un câble à un creeper en faisant tout simplement apparaître un ocelot au-dessus de sa tête. Regardez, il est en train de péter un câble depuis tout à l'heure. Il essaie de le fuir, sauf qu'il est au-dessus de sa tête. Du coup, il le fuit, mais en fait, il sait pas du tout où il va. Il est complètement perdu. Regardez, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Et du coup, je vous propose qu'on s'amuse un petit peu sur mon serveur Olympia avec cette commande. Voilà, ça, c'est la commande pour faire apparaître Hero Prince. Ça aussi, on va pas mal faire péter de câbles à des abonnés avec cette commande. Et également, du coup, c'est cette commande. Regardez ça, pour faire apparaître un creeper avec un ocelot sur la tête. Ça va être complètement épique. C'est parti. Alors voilà, les amis, je suis sur le serveur glace et comme je n'aurai pas besoin de casser des blocs ou quoi, et bien regardez, j'ai pu utiliser enfin la commande slash vanish. Et du coup regardez ça, admin agent GB a quitté le serveur, il croit que je suis parti. Regardez, il a quitté, c'était rapide. Voilà, malheureusement, voilà, je suis désolé, je suis parti, sauf que maintenant on va pouvoir utiliser les commandes sans se faire cramer. Alors notre première victime ça va être monsieur Watch the Craft. Bien dis donc, tu serais pas au dessus, non il n'est pas tout à fait au dessus de la surface. Je vous propose qu'on le troll en faisant apparaître Hero Brine dans sa base. Alors du coup monsieur Watch the Craft est juste ici, on va faire apparaître Hero Brine juste ici, attention 3, 2, 1, regardez ça, Hero Brine est dans sa base, Hero Brine est dans sa base. Alors maintenant comment est-ce qu'il va réagir, regardez ça, il a toujours pas capté, il a, what, non mais wait, il a toujours pas capté, regardez ça, oh mon dieu, Hero Brine est dans la base, regarde, il osait même pas le frapper, le mec il a mis 3 secondes à tilter. Oh mon dieu, regarde ça, ils sont en train de péter des câbles, vas-y on le fait réapparaître derrière lui, derrière toi mon gars, Hero Brine derrière toi, regarde ça. Regardez ça, ils sont en train de péter des câbles. Ah ouais, t'es en train de rigoler, sauf que regarde, tu es en train de faire tuer par Hero Brine. Regardez ça, ah ça y est, il y a toute la faction qui se ramène. Regardez ça, les mecs ils apparaissent de nulle part. Noctilus qui comprend pas ce qui se passe. Voilà, Watch the Craft, mais qu'est-ce qui se passe? Regardez, il y a tout le serveur qui commence à péter des câbles. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a Hero Brine dans la base, oh mon dieu. Vas-y, on va essayer de faire apparaître un stack d'Hero Brine. Attention. Ah, regardez ça, une armée d'Hero Brine. Une armée. Regardez ça, une armée d'Hero Brine dans leur base. Oh mon dieu, c'est absolument génial. Bon après ils ont un stuff monstrueux, donc c'est sûr qu'ils peuvent se défendre hein. C'est un peu cheaté. Oh, attendez, est-ce qu'on peut faire apparaître un bébé zombie? Ok, j'ai trouvé la commande pour faire apparaître un bébé zombie sur un chicken, sur un poulet. Est-ce qu'on pourrait pas tester un bébé zombie sur un creeper? On va tester ça tout de suite. Attention, let's go. Oh, c'est bon, il y a un bébé zombie. Ah non. Vous avez vu ça? Attendez, replay. Le mec, il a propulsé le bébé zombie dans le désert, mais genre sans aucun respect avec sa knockback, c'était violent. Alors par contre, là, ils ont tellement peur, ils sont en train de se barricader. Ah, les mecs, ils sont en train de s'enfermer. Mais alors, tu sais que c'est une très mauvaise idée, ce que tu fais, mon ami. Voilà, la tradition, mon gars, c'est tout droit. Oui, la tradition. Oh, regardez. Il est tellement mort instantanément qu'il s'est fait téléporter au spawn. Magnifique. Regardez ça, non. Et ouais mon gars, c'est la tradition mon pote, tu t'es fait rect. Attendez, si je refais flash vanish. Ah genre j'ai bien quitté le serveur. Pour la deuxième fois à la suite, le truc pas du tout cramé. Alors notre prochaine victime c'est monsieur OP Ertenox. Il a de la chance, la tradition a déjà été faite, mais c'est pas pour autant qu'on va le laisser tranquille. Je vous propose qu'on fasse la commande du coup que je vous ai montré tout à l'heure, la commande qui fait apparaître des creepers chevauchés par des ocelots, des creepers fous. Et on va faire spawner tout ça dans sa salle des coffres. Regardez ça les amis. Donc voilà les amis, regardez, ils sont en train de quitter leur salle des coffres. Maintenant on va faire apparaître plein de creepers fous chevauchés par des ocelots. Attention, c'est parti, il va falloir être très très rapide. Attention, je me suis gouré dans la commande. Hop hop hop. Voilà, il a regardé ça normalement. What? Pourquoi c'est pas chevauché? Bon alors je sais pas pourquoi je n'ai pas pu les faire apparaître en chevauchant. Peut-être que... En fait peut-être que c'est parce qu'il y a plusieurs versions de Minecraft qui sont supportées par le serveur. Du coup je peux pas faire de créatures chevauchant d'autres créatures. Sauf que regardez ce que j'ai créé. J'ai créé une bombe de creepers. Et comme vous le savez peut-être, on peut créer des bombes de mobs. Comme par exemple des bombes de poulet triplet. Tadam! Et voilà, c'est exactement ce qu'on veut faire, regardez ça. Il y a plein de creepers, ça explose partout, magnifique. Allez, le but, ce serait qu'on explose les coffres quand même. Hop, 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 voilà, regardez ça les amis. On fait apparaître plein de creepers. Voilà, on va essayer de les avoir, Allez, 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 allez. Allez, plein de creepers, c'est parti. Plein de creepers, c'est la fête du creeper. Oh, regardez, c'est bon, on a réussi à avoir le joueur le plus faible. C'est magnifique. Pourquoi est-ce qu'il a enlevé son armure lui, c'est un fou? Eh mais t'es un fou toi. Elle t'enlève pas ton armure quand il y a des creepers qui apparaissent frérot. Ah regarde, bah oui t'es décédé hein. Oh, il a volé son stuff.
Oh le vilain! Oh le vilain, il a volé son stuff! Et qu'est-ce qu'on leur fait aux voleurs, nous? On leur prend tout leur stuff! Et oui, mon gars! Et on remplace tout son inventaire par de la dirt. Attendez, on va faire un truc sympa. On va mettre un petit LOL. Voilà! Un magnifique LOL en dirt. Quoi, Mafia Libérateur aussi, tu veux voir ça? Y'a pas de soucis, mon ami. Tu veux du LOL? Regardez ça. Oh là là, on se fend la poire. Regardez ça. Oh LOL. Ah, regardez ça, c'est magnifique. C'est magnifique! Bon, allez, je leur rends leur stuff quand même, parce que c'est pas très gentil. Mais attendez, c'est vrai qu'il y a encore World Edit. Oh, regardez ça, j'ai une super idée. J'ai une super idée, regardez ça. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Attention. Premier axe ici. Deuxième axe ici. Slash slash replace co web. Attention. Oh! Ah, what? Alors, je suis désolé, c'est pas ce que je voulais faire. Ah, c'est bizarre, je voulais remplacer par la co-web. Alors, attends, pourquoi ça marche pas? Ah, c'est cobweb. Ah, je suis désolé, je me suis trompé d'un petit truc. Ah, bah oui, forcément, ça marche beaucoup mieux comme ça. C'est ça qu'on voulait faire à la base. Regardez, on va les enfermer. Boum, boum, voilà, c'est bon, ils sont enfermés. Attention, attention, fais la demande. Boum, et voilà, regardez, c'est... il va tomber petit à petit. Alors, lui, il est sauvé. Lui, il a géré, il est sur son grave. Regardez ça. Il va faire une tradition lente et douloureuse. Voilà, c'est une tradition encore plus satisfaisante. Regardez là. Il descend. Oh, bah alors, mon ami. Bah alors, mon ami, on descend. Bah oui, bah oui, bah oui. Bah oui, bah oui, bah oui, on va mourir. Bah oui, qui c'est qui va mourir? Eh ben, c'est toi. Oh, bah oui, c'est toi. Attention, il tombe progressivement. Oh, regardez-moi ça, cette mort lente et douloureuse. Comme c'est satisfaisant. Oh c'est magnifique, regarde ça. Oh oh oh. Attention, il va tomber. Attention. Oh oh oh. Il essaye avec de l'eau. Il essaye de sauver son pote avec de l'eau. Attention, va-t-il réussir? Quelque chose me dit que non. Parce qu'effectivement, ce n'est. Non 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 non. Tu sauves pas ton pote. Tu sauves pas ton pote, moi je t'explique. Ah j'ai l'impression. Ah super, regardez ça. Regardez ça, j'ai coincé son pote. J'ai coincé son pote sous la toile d'araignée, c'est magnifique, on peut aussi le troller. Allez, il croit que l'eau va rester. Eh ben non mon gars, juste à faire la commande. Ah c'est magnifique, allez maintenant on va remplacer leur truc par la bedrock, voilà voilà, on est gentil, on répare leur base quand même, un minimum de respect. Et les 32 diamants comme d'habitude, et oui c'est une tradition hein, quand je troll quelqu'un je donne des diamants quand même, je suis gentil. Allez j'ai envie de faire un dernier petit troll, on va faire un slash vanish en continu, regardez ça, oh là là, le GB qui se co, le GB qui se déco. Regardez ça, tout le monde est en train de péter un câble, agent GB mes élytras, ah je lui fais perdre ses élytras, alors attendez on va lui rendre ses élytras, voilà on lui rend ses élytras, on est gentil. Du coup voilà les amis, c'est tout pour cet épisode de troll, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des suggestions de techniques de troll que je pourrais utiliser, n'hésitez pas à me les donner dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à lâcher un pouce bleu si la vidéo t'a plu et à t'abonner si c'est pas déjà fait. Et sur ce les amis, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de troll et même à demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, passez une excellente journée. High five!